Esprit Saint, inspiration divine, détruis en moi toute paresse spirituelle, toute indifférence, mes doutes et mes craintes. Comble-moi de ta lumière, de ta sagesse, de ta paix et de ta joie. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner en tout instant de notre vie. À toi la gloire et l'honneur, la puissance et l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Commençons cet enseignement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je trouve que l'idolâtrie est un sujet de haute importance. Et je me pose des questions, Hélène. On sait maintenant que l'idolâtrie, sans doute, a existé dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, bien sûr, on peut le lire dans la Bible. On a vu les apôtres prêcher et attaquer aussi l'idolâtrie. Et je me pose la question, est-ce que de nos jours, on trouve encore de l'idolâtrie? Est-ce que ça existe encore? Que oui, très certainement. L'idolâtrie, je pense que ça reste un outil puissant que le diable utilise pour nous détourner de Dieu. Sans doute. Oh, certain. Mais ça a pris des formes bien différentes. Est-ce que ça te tente d'en explorer quelques-unes? Bien sûr. Je me pose par exemple la première question. Dans le cœur humain, il peut y avoir de l'idolâtrie. Pas mal. Est-ce que tu as un mot à nous dire? L'idolâtrie dans le cœur de l'homme moderne, de nos jours. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Est-ce qu'on peut la trouver encore? Je pense que ça, tu touches à un point très sensible. Je pense que bien trop souvent, la plus grande idole de nos vies, c'est la personne qui nous regarde dans le miroir chaque matin. Voilà. Par nature, nous sommes égocentrés. Nous sommes des personnes égoïstes. Nos pensées sont tout naturellement dirigées vers un seul objet. Vous savez quoi, hein? J'imagine. Moi. Oui. Moi. Et moi. Moi. Oui. Cet esprit est grandement promu par tous les types de médias disponibles de nos jours. Aujourd'hui, c'est plutôt notre ego qu'on adore. Moi, et moi. Puis cette idolâtrie-là, ça prend diverses formes. L'idole moderne, la plus destructive, est peut-être celle de l'accomplissement de soi aux dépens des autres, de leurs besoins, de leurs désirs, qui se manifeste souvent par l'abus d'alcool, de drogue, de nourriture. L'accès illimité à l'alcool et à la drogue. Vous savez, la consommation de médicaments atteint un niveau record, même chez les enfants. Et la nourriture, ça entraîne des problèmes de santé, comme l'obésité, comme le diabète notamment. Puis notre course effrénée après la nourriture, on y pense tout le temps, nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes. Trop souvent, nous ne faisons pas assez d'efforts pour résister à ces pulsions. Déterminés à décider nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Comme Ève, quand Satan l'a tentée dans le jardin d'Éden, puis lui a fait miroiter ce qu'on retrouve dans la Genèse. Peux-tu le livre de la Genèse, oui. Le petit passage dans la Genèse. Bien sûr, ça me fera plaisir. Ah, c'est Genèse, quel est le texte, s'il vous plaît? C'est le chapitre 3, le verset 5. Vous serez comme Dieu. Aha. Voilà la grande tentation. Tel est le désir de l'homme. Wow. Oui, depuis toujours, depuis lors. Oui, devenir Dieu,
Ce culte de soi est fondamentalement de l'idolâtrie moderne. Vouloir être comme Dieu, prendre sa place, c'est grave, Hélène. C'est très grave. Puis vouloir déplacer Dieu. On le vit de plus en plus. Wow. On le vit. Ça se vivait, mais maintenant, oui. On y goûte. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, je dois dire qu'il existe un amour de soi qui est bon, qui rend véritablement heureux et consiste à désirer devenir ce que Dieu veut que l'on devienne. Plus précisément, nous aimons Dieu et cet amour nous conduit à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Aimer Dieu, c'est la meilleure expression possible de l'amour de soi, car c'est en aimant Dieu qu'on trouve le vrai bonheur. Un humain ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. Bien sûr, bien sûr. Apprendre à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, c'est en même temps donner la place à Dieu, celle qui lui correspond. Hein? Oui, oui. Et on éloigne de plus en plus le « moi, 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 moi » pour qu'il prenne la place sa, en lui. Sa place. Sa place, oui, bien sûr. Oh, que c'est intéressant, Hélène. Merci. Alors, on tombe dans le « moi ». Et puis le « moi » nous mène souvent aux sept fameux péchés capitaux. On les retrouve. On retrouve beaucoup d'idolâtrie dans ces sept péchés capitaux. Que oui, que oui. Beaucoup. Ça nous fait réfléchir. Et je trouve que ça applique, si ce n'est pas la plupart du monde, probablement à tous. Ça applique à tous. Oui. Ça applique à tous. On a tous la tendance. Qui entre nous pourrait dire qu'on ne souffre d'aucun des péchés capitaux? Oui, oui, ou qu'on ne commet aucun péché capitaux? Wow. Personne. Wow. Même on le meilleur. On tombe facilement. Oui, on tombe facilement. Même le petit qu'on pense qu'on n'a pas, il refait toujours surface. Bien sûr. Bien sûr. Hélène, je trouve qu'il y a aussi une autre forme d'idolâtrie de nos jours. Par rapport encore à nous-mêmes, moi, 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 tu disais, et c'est l'orgueil. C'est le premier des sept péchés capitaux. Il est dangereux. Et on est mordu par l'orgueil, souvent dans nos vies. Il prend souvent la forme d'une obsession pour notre travail, pour notre carrière. Il prend la place. Hélène, des millions d'hommes et de femmes travaillent de 60 à 80 heures par semaine. C'est incroyable. C'est incroyable. Et même le week-end. Et quand nous sommes censés être en vacances, l'ordinateur nous suit partout. C'est moi et l'ordinateur puis moi. Et en vacances. Waouh! Ils sont toujours allumés et nous réfléchissons à la manière d'augmenter notre chiffre d'affaires, parfois par le jeu, ou pour obtenir une promotion, ou pour établir des relations pour notre prochain contrat. C'est incroyable, c'est incroyable. Et pendant ce temps, nos enfants, ou vos enfants... Les enfants. désespèrent de recevoir un peu d'attention. S'il te plaît, me voici, un peu d'amour. Je suis là. Un peu de ski. Ne m'oublie pas. Mais nous, à chercher et c'est presque un mariage avec l'ordi. Mais d'abord moi, puis moi et ensuite moi, comme tu le disais. Ouais, c'est incroyable. Nous nous mentons à nous-mêmes, soyons sincères. Et nous prétendons que c'est pour eux que nous faisons tout cela. On aura toujours des prétextes. On les cherchera toujours, les prétextes, pour leur offrir une vie meilleure ou bien. Je pense qu'en réalité, nous le faisons pour nous, pour renforcer notre estime de nous-mêmes, en montrant aux autres que nous avons réussi. Quoi? C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie pure. Oui. Absolument, c'est de la folie, Hélène. Rien de ce que nous aurons accompli ne nous sera d'aucune utilité après notre mort. C'est une réalité. On n'apporte rien avec nous. Non. Sauf l'amour. Oh, que oui. Pas plus que l'admiration du monde. Car tout cela,
n'a aucune valeur éternelle. Nous le savons. Le roi Salomon l'a exprimé dans le livre de l'Ecclésiaste. Et oui, j'aimerais ça que tu puisses le lire pour nous, oui. Hélène. Pourrais-tu chercher Ecclésiaste au chapitre 2, verset 21, et on va aller jusqu'au 23. Le roi Salomon a exprimé cette réalité. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée, et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et de ses préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. La sagesse de Salomon. Que le Seigneur nous apprenne ce qui est essentiel dans la vie. Il l'a bien dit, le roi Salomon. Il l'a bien exprimé dans sa parole. Merci du texte. Je pense qu'il est, comme ça avec notre sujet. Oui. Il nous éclaire beaucoup. Il faut toujours se baser sur la parole. Toujours, la parole de Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée, le texte disait. Oui. Un autre fumée, c'est le fameux matérialisme. Moi, je veux. Tout pour moi. Avoir. Alors, accumuler. Et enfin, on se dit, toutes ces choses que j'ai et que j'ai gardées pendant des années, à quoi est-ce que ça sert? Et on accumule toutes sortes de choses. Et on croit qu'on est heureux avec tout ça. Riche. Mais après ça, quand on voit l'ensemble des choses, on se dit, hey, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce fardeau? Oui. De matériel. Oui. Même nos enfants ne veulent pas. C'était passé. Oui. C'est vieux. On n'est plus à la mode. C'est tellement vrai. Mais c'est une forme d'idolâtrie pareille. Oui. Voilà. C'est une réalité. Alors, prenons quelques instants pour visiter l'autel du matérialisme, qui nous pousse à vouloir posséder toujours plus. Toujours plus. Nos maisons sont remplies de toutes sortes de biens matériels. On construit des maisons toujours plus grandes, avec plus de chambres et plus d'espace de rangement pour conserver tout ce que nous achetons. Puis souvent, même avant de l'avoir payé. C'est une soif insatiable de posséder toujours plus. Les meilleures choses, les meilleurs produits, les dernières nouveautés, nouveaux cris. C'est rien d'autre que de la convoitise. Puis c'est interdit par le 10e commandement. Allons le lire dans la Bible, à l'Exode. Tu veux que je le lise? Oui, s'il te plaît. Exode, chapitre 20, verset 17. La convoitise. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. C'est vrai ce que tu dis, Hélène. Et on a toujours la tendance à... J'ai trouvé cette petite chose, je vais la garder. Ça peut servir à quelque chose. Hey, j'ai reçu ça en cadeau, ça fait 5 ans, je le garde parce qu'un jour, ça peut servir. Et on accumule. Et des achats, par exemple. On achète, on garde. Et puis on se dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout cela? C'est du matérialisme. Et enfin, on découvre que ça ne servait à rien. Ou bien que ça a rendu un petit service, mais point à la ligne. Dieu nous veut libres de toute cette pesanteur. Oui. Parce que sinon, on est trop attaché aux choses matérielles et Dieu commence à occuper une deuxième ou troisième place. Puis
Dieu sait que la satisfaction de nos besoins matériels ne nous rendra jamais vraiment heureux. C'est le piège du matérialisme, c'est un piège de Satan pour nous garder attachés à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu. Ça aussi, c'est écrit. Si tu veux nous trouver, oui. Jean, c'est la première lettre de Jean. Oui. Jean 2, verset 16. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. On se pose donc les questions concernant les choses qui viennent de Dieu. Regardez toujours aux choses du ciel qui peuvent vraiment nous rendre riches. Les choses qui ne viennent pas du Père ou du ciel, est-ce que c'est une vraie richesse? Question. Voilà. Nous connaissons le trésor. Oui, oui. Nous le connaissons. Oui. C'est très intéressant. Alors, toutes les formes d'idolâtrie de soi ont pour origine trois convoitises. OK. Trois convoitises. OK. Pour échapper à cette idolâtrie moderne, il faut admettre qu'elle est partout et puis la rejeter sous toutes ses formes comme n'étant pas de Dieu, mais de Satan. Oui. L'idée que l'égocentrisme mène à l'accomplissement de soi, c'est un mensonge que Satan répète sans cesse depuis qu'il a séduit Adam et Ève par lui. Mais malheureusement, nous continuons d'y croire. Mm-hmm. Hélène, c'est pour quelque chose que l'évangéliste Saint Jean, dans son 8e chapitre, verset 44, il nous dit « Le diable est le père de tout mensonge. » Mais pourtant, nous ne trouverons jamais le bonheur ainsi. Pour le trouver, notre cœur et notre esprit doivent être centrés sur Dieu et sur les autres. C'est pourquoi, quand on a demandé à Jésus quel était le plus grand des commandements, il a répondu ce que Matthieu nous dit dans le chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si nous aimons le Seigneur et les autres de toute notre être, l'idolâtrie n'aura plus sa place dans notre cœur. Non. L'amour sans vérité, c'est une illusion. La vérité sans amour, c'est une condamnation. Oui, c'est pour quelque chose que le Seigneur nous a laissé ce grand commandement. Le premier, de l'aimer et d'aimer notre prochain. Parce que l'amour est la clé, comme tu viens de l'affirmer, d'éloigner toutes sortes d'idolâtrie. Parce que nous sommes centrés sur le vrai amour, la réalisation du premier commandement. Puis il y en a juste un. Mmh. Oui, oui, bien sûr. J'aurais une question. Oui. J'aimerais que tu nous parles de l'idolâtrie par rapport aux personnes puis aux images du monde moderne. Oui, 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 bien sûr, ça me fait plaisir. Je pense, Hélène, que la photo rend plus fidèlement compte de l'absent qu'une gravure ou une peinture. Définitivement. Définitivement, oui, oui, c'est vrai. Souvenez-vous de la journée où vous avez reçu votre première caméra. Oh. J'en ai pris, puis ça coûtait cher. Oui, ça fait probablement longtemps, mais oui, 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 oui. Nous avons été touchés par l'instantané. Waouh! C'était un waouh! Et surtout ce qu'il représente. J'en ai encore plusieurs de ces photos. Oui, oui. Oui. On les voit encore. Oui. La technologie avance à pas géant. Mais oui, je me souviens de ça. Il n'y avait certainement pas ça dans l'Ancien Testament, ni dans le premier centenaire des chrétiens. Non, pas du tout. Hélène, il suffit d'imaginer ce que l'on ressent si l'on déchire la photo d'un être cher. Ah oui, ça peut faire mal. On la prend, on la déchire et... Oh my God!
C'est quelque chose. Oui. On sent même qu'il s'agit d'un acte fort, très très fort, qui atteste d'une certaine présence de l'être cher dans l'image. Oui, on ne veut pas la déchirer. Les nouveaux médias, le cinéma, la télévision vont renforcer ce sentiment. Pas de la bonne façon non plus. Non plus. Et ils vont contribuer à subsister aux arts plastiques, les arts de la scène ou aux arts performatifs. Oui. Le fameux sport. Le sport n'échappe pas à cette logique. Oui. Je dirais que les dieux du stade symbolisent un génie d'un autre ordre. Et cette fois-ci, c'est physique. Oui. Très. On a juste à écouter une partie de hockey pour savoir ça. Oui. Porté au regard par des dispositifs techniques qui en multiplient la présence et renforcent l'illusion de proximité, l'acteur, le chanteur et le sportif deviennent les objets de tous les désirs d'identification intelligemment exploités par l'industrie du spectacle. Et la télé-réalité n'est-ce que le prolongement de cette logique. Absolument. On voit ça commencer à l'âge de 4 ans. Des petits garçons ou des petites filles avec des petits micros qui veulent... c'est des Céline Dion, nos futurs Céline Dion. Oui. Mais ça commence jeune, très jeune. Oui. Le jeune garçon va s'associer à un joueur de hockey. Puis dans son cœur, dans sa tête, il devient ce joueur-là. Il devient des idoles. C'est des idoles. Oui. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est de l'idolâtrie. Oui. La télé-réalité, ça attaque les médias. Parce que l'écran ne fait plus écran. Oui. Ça rentre dans nos salons, littéralement. Oui. On atteint ainsi... souvent un idéal fantasmé à cause de cette proximité-là. Oui. C'est de la parfaite rencontre avec l'acteur. Entre l'acteur puis le téléspectateur, les fameuses boîtes à savon, là, les soupes. On interagit plutôt à travers le double, la personne. On devient comme le double. On se met dans la peau de cet acteur-là. On observe même ce phénomène-là dans les jeux vidéo qui transforment souvent le joueur en acteur. Oui. Le on joueur, croit qu'on est l'acteur, le personnage. Le joueur devient un acteur. Oui. Tous les secteurs investis par le sport, la mode, le showbiz, c'est tout des producteurs d'idoles. Mais les réels façonneurs d'illusions, ce sont les médias. Parce qu'ils savent user et abuser de ce qui touche le plus et donc de ce qui se vend le mieux. À commencer par le sexe et la violence. Dans les images, dans le langage qu'ils utilisent, la façon de vendre le produit, de nous faire mordre l'hameçon. Et on tombe là-dedans. On tombe très facilement là-dedans. Oui. Les médias ont la capacité de nous faire plonger très facilement. Oui, tout ce qui parle de sexe et de violence, c'est deux dimensions qui nous renvoient à l'amour et à la mort. Puis c'est ce qui forme le noyau dur de nos imaginaires. Alors oui, le terme idolâtrie peut encore nous éclairer sur nos manières de se perdre aux images. Puis il faut admettre que l'écran devient un piège. C'est vraiment un piège. J'ai une belle référence biblique qui fait tellement bien réfléchir. Hélène, avant la référence biblique, j'aimerais dire, excuse-moi d'interrompre, que l'écran devient de plus en plus un tsunami dans la vie des êtres humains. On est de plus en plus ancré là. On est de plus en plus dépendant de l'écran. Même, on peut se trouver dans la cuisine à quoi? À peler des patates. Et bip! Et boum, on tombe dans l'écran, on laisse les patates de côté et il faut que je révise mes messages. Oh, je vais voir qu'est-ce qu'il y a sur YouTube. Oh, j'ai telle chose sur Twitter. Et tous les médias nous envahissent de plus en plus. Et ce n'est pas juste le téléphone cellulaire. C'est la télévision, c'est toutes sortes d'écrans, l'ordi. Tout ce qui est écran. Ils nous manipulent. Absolument. Puis de plus en plus,
ça fait pas très très longtemps qu'on vit le sans fil. Mm-hmm. Mais là, mes amis, on s'en vient au 5G, bientôt, bientôt. Alors, ça nous suit partout. Oui. Dans nos voitures, dans nos lits, ça nous suit partout. Oui. Alors, Juan, je vais te demander si tu peux nous lire Isaïe 10, verset 15. Oui, bien sûr. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. Ça s'applique bien. Oui. Je pense qu'on pourrait presque changer les mots, même si la parole demeure la parole. Oui. Vu qu'on parlait tellement d'écran, on pourrait pratiquement dire, est-ce que l'écran... On peut inclure l'écran, oui. L'écran là, oui. Oui, oui. Oui, on donne l'exemple des ciseaux. Ou la scie, oui, oui, l'écran rentre là-dedans aussi, oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, il est si facile d'aimer ce qu'on voit ou ce qu'on touche, mais Dieu est là, invisible, mais présent, aussi présent que nous lui permettons de l'être. Il ne désire que d'être aimé et adoré, avec une foi qui nous permet de nourrir cette intimité. Cette présence qui habite notre cœur. Simplement en lui demandant, « Seigneur, protège-moi de l'idolâtrie, de ce que mes yeux n'ont pas besoin de voir, de ce que mes oreilles n'ont pas besoin d'entendre. » Et notre discernement se fera rapidement, car Dieu est le vainqueur de tout mal. Mais la question se pose, le voulons-nous? La vie est trop courte. Ne perdons pas le don précieux du temps avec l'idolâtrie qui est un péché. Et là, tu nous invites à faire un pas important. Oui, la réalité de l'idolâtrie existe. Elle nous tentera toujours. Elle voudra nous faire trébucher, oui, mais le pas que tu veux nous inviter à faire, c'est de passer à la prière, à prier cette réalité en nous et cette tentation. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux renoncer. Que dois-je faire? À ma place, qu'est-ce que tu ferais? Instruis-moi. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'il y a de l'idolâtrie, mais de l'amener dans notre prière pour pouvoir purifier toute tentation. C'est un pas important. Prioriser Dieu. Lui donner la première place. Et puis... tout va tomber en place. On ne dit pas que les écrans sont toutes mauvaises. Il y a beaucoup de bonnes utilisations, c'est très utile, mais il faut le faire avec discernement. Oui, oui, oui. Ce n'est pas l'outil qui est mauvais. Je peux donner l'exemple d'un couteau. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Je dirais que ni l'un ni l'autre. Je peux l'utiliser pour... bien, dans la cuisine pour la viande, par exemple, ou bien je peux utiliser le couteau, si je veux, pour blesser une personne. C'est pas du tout la même chose. Oui, oui. Alors, l'écran sera toujours un outil. Oui, on est dans le monde d'aujourd'hui, on avance pas mal, on est pas mal avancé, disons-le comme ça. Mais il s'agit de prendre conscience, prendre le contrôle et découvrir la vraie utilité que l'écran peut nous offrir. La façon la plus sécuritaire, la plus sûre, c'est d'investiguer avec le Seigneur avant de s'en servir. Oui, oui, bien sûr. Tu as raison. Mais sais-tu qu'il existe quand même un grand problème? Moi, j'ai besoin des lumières. Dis-moi. Comment on fait pour entrer en communion avec nos idoles? C'est une très bonne question. De faire la liaison, comment est-ce qu'on rentre en communion avec eux? C'est très facile, Hélène.
au moment où tu décides de faire un pas vers l'acceptation d'une doctrine ou d'une pratique, ou d'appuyer une personne qui est là-dedans, tu rentres automatiquement en communion. On va le développer à partir de plusieurs aspects de notre vie que nous voyons autour de nous et qui vont nous laisser ça clair, que facilement nous pouvons entrer en commune union ou en appui entre nous dans ces doctrines-là qui nous éloignent de Dieu et qui mettent en évidence l'idolâtrie. Par exemple, l'astrologie. Oh, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Combien de gens au monde qui sont là-dedans? Hein? Au moment où tu adhères à ces doctrines-là, tu rentres en communion automatiquement. Commune, union, acceptation, appui, pratique. On va le développer encore plus. Alors, commençons par l'astrologie, mes chers amis. C'est une absurdité potentiellement dangereuse parce qu'elle diffuse, en les rendant attrayantes, les idées ésotériques du Nouvel Âge, le fameux Nouvel Âge qui est partout, dans tous les pays du monde, partout, et qui fait des catastrophes dans les cœurs. Il nous sépare de Dieu. Ouais. Hélène, il n'y a cependant pas la moindre évidence scientifique que les étoiles ou que les planètes influencent nos vies quotidiennes. Et même si elles avaient une influence, même si elles l'avaient, si par exemple leur champ gravitationnel provoquait des maux de tête ou des modifications hormonales, notre date de naissance n'aurait en fait aucune importance. Contrairement à ce que les charlatans de l'astrologie prétendent. C'est vraiment une chose qui n'a pas beaucoup de fondement. Mais les gens adhèrent et ils croient de façon aveugle qu'ils sont dans une vérité et leur vie dépend de ces prédictions-là. Et combien y en a-t-il? À partir du petit biscuit chinois, à aller aux feuilles de thé, à aller par les horoscopes, Oui. Regarde, ils me disent la vérité, ça applique parfaitement. Oh, ils connaissent ma vie, comment est-ce qu'ils le savent? Mais ça tombe bien parce que c'est une réalité qui applique pour tout le monde. Des millions de lecteurs, trop crédules, je dirais, leur accordent crédit à 100%. Voilà, ça applique pour moi. Oh, je ne savais pas ça. Je vais le faire. Oh, voilà les couleurs, les chandelles, les prières qui vont avec. C'est tout un mélange de choses et la vie de ces gens crédules-là en dépend. Et plus ils croient à ces sottises, plus ils s'éloignent des vérités du christianisme, en même temps de Dieu. C'est le malheur. Une très mauvaise conséquence. C'est très triste. Et à grande échelle, la confiance aujourd'hui accordée si facilement et par un grand nombre de personnes au monde entier à l'astrologie, Hélène, est une conséquence directe de la perte de croyance en Dieu. Ça porte des conséquences épouvantables, oui, graves. Oui, oui. Et quand les gens cessent de croire en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient en rien, pas exactement, mais qu'ils croient en n'importe quoi. C'est bien dit. On va le répéter. Quand les gens cessent de croire en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient en rien, mais qu'il croit à n'importe quoi. L'astrologie conduit généralement à d'autres formes de superstition. Et sais-tu quoi? Finalement, à la perte de leur foi. Voilà la triste conséquence. Perdre la foi. C'est dans le monde où nous sommes présentement. Oui. Il y a tellement de gens qui ont peut-être pas perdu la foi, mais qui sont indifférents. Probablement qu'ils ont la foi, mais une foi stérile. Oui. Wow. Serais-tu d'accord si on réfère ce qu'on vient d'expliquer
au catéchisme de l'Église catholique. Oui. C'est le magistère de l'Église. Oui. Et il prononce un mot à ce sujet aussi. Avec plaisir. Je t'invite à le prendre, le catéchisme de l'Église catholique. Oui, catéchisme. Au numéral 21-16. Catéchisme de l'Église catholique, au numéral 21-16. Est-ce que tu l'as? Oui, c'est écrit petit, présent, mais je vais vous le lire. Essayons. Toutes les formes de divinisation sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort, dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Nous déplaçons Dieu. Est-ce que tu as fini ton... Oui, j'ai fini, mais oui. Ça continue avec la magie, la sorcellerie. Je vais fermer le catéchisme. Je t'écoute. Je t'écoute et je pense en même temps à un monsieur que j'ai rencontré. Je le connaissais. Et il habitait dans le territoire de la paroisse où j'étais en Colombie la dernière fois, en 2005 à peu près. Et lui, puis son épouse, il croyait beaucoup à tout ça. Les horoscopes, la lecture de la main, les lignes, tout ça. Un jour, je le trouve au marché public. Il y avait un marché public et il était comme... il était normal. Sauf que la conversation nous a guidés vers ce sujet-là. Et il m'a dit que le soir de la même semaine, je ne me souviens pas, on va dire que trois jours avant ça, il est allé visiter un voyant comme ça, une personne qui est capable de lire les événements du futur, que cette personne-là avait dit à son épouse qu'elle allait gagner une fortune, mais elle a su lire la réalité à partir d'une cigarette. Je ne sais pas si ici, en Amérique du Nord, vous connaissez cette méthode de la cigarette, mais il commence à fumer. La personne commence à invoquer, je ne sais pas si ce sont des déités ou à faire des, entre guillemets, des prières ou des invocations. Je ne sais pas comment l'appeler. Et il commence à fumer. Mais ils ne peuvent pas permettre que la cendre tombe de la cigarette. Puis ils les prennent et ils commencent à faire la lecture de la cendre. Est-ce que ça existe ici aussi? J'ai jamais entendu. Ça doit exister. Plus fou que ça. En Colombie, ça existe. Oui, en Colombie, ça existe. Et je me souviens que bien, la personne a fait la lecture de la cendre et il a vu que probablement ils auraient un accident d'un côté. Mais de l'autre côté, la personne a vu que, que l'épouse allait gagner toute une fortune. Cet exemple, je l'amène à la conversation. Parce que ça me pose des questions, ça devrait nous poser des questions. Comment sommes-nous capables de déplacer notre confiance qui devrait être mise en Dieu seul pour avoir de la confiance et une foi absolue dans la cendre d'une cigarette? Ben là, je vous donne l'exemple de la cendre d'une cigarette, mais ça peut se traduire dans de multiples façons de... entre guillemets, lire les événements futurs, l'horoscope, par exemple. Dieu, ok, mets-toi de côté, c'est pas en toi que je mets ma confiance, c'est cette cendre de la cigarette qui va tout me dire, mon avenir, ce qui me convient, ce qui est mauvais pour moi, c'est là que je trouve ma foi. Comment sommes-nous capables d'aller si loin? Question. Est-ce que le monsieur a gagné un million? Non, pas une, son épouse non plus. Et ils n'ont pas eu d'accident. Ils n'ont pas eu d'accident. Ben, je rends grâce à Dieu que non. Oui, oui. Mais comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces pratiques-là qui n'amènent vers rien. Oui. À rien et vers rien. Les cartes, les lecteurs, des gens qui peuvent lire les cartes, c'est...
Ça marche très fort ici au Canada. Et c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. On paye. Je pense que la personne qui gagne, c'est une autre. C'est une autre. Je l'ai dit, c'est vrai. Oui. Alors, chers amis, lire l'horoscope peut paraître inoffensif. Oh, c'est juste un petit paragraphe qui... Oui, il n'y a pas de problème. Ça semble être inoffensif, mais non. Tu es en train de dire à Dieu, adieu. Bye bye. Mais en faisant cela, mes chers amis, non seulement nous laissons une place à la superstition dans nos esprits, dans notre cœur, mais en plus, nous nous tournons vers des puissances autres que Dieu pour guider nos vies, comme je viens de le dire. Tasse-toi de là, Monsieur Dieu. C'est ça qui est ma force, mon bonheur et qui a la solution pour ma vie. C'est grave. C'est trop grave. C'est ça la communion avec l'idolâtrie. Oui, on rentre en communion. Je comprends. Beaucoup mieux. L'idolâtrie, aimer d'autres choses ou des personnes ou des objets ou d'autres genres de choses qui déplacent Dieu de notre vie et ils deviennent des dieux avec des petits D. Tasse-toi de là. Tu ne fais rien dans ma vie, c'est ça qui fait tout. C'est très grave. Très. Alors, débarrassons-nous de l'horoscope et des livres d'astrologie. Il faut réagir maintenant. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Lisons la Bible, par exemple. Elle révèle le Dieu qui a créé les étoiles, les planètes, l'univers tout entier, qui nous a donné toute cette beauté de nature, nos montagnes, les animaux, notre prochain, l'expérience de l'amour. C'est lui qui nous a donné la vie. Il est la source de tout bien. Est-ce que ces autres idoles-là sont capables de donner la vie et le bonheur? C'est une question courte et simple. Mais est-ce que ces choses-là... On va reprendre la cigarette. Est-ce que la cigarette est capable de créer des montagnes et les oiseaux? Je pense que non. Non. Alors, rencontrons et reconnaissons le Seigneur. Et il y aura un prix. Nous recevrons infiniment plus que ce que l'astrologie ne pourra jamais nous donner. La plus petite action, en conclusion, vaut mieux que la plus grande intention. Et que c'est vrai. Et que c'est vrai. Oui. Merci infiniment. Merci à toi aussi, merci à vous. Ça nous fait réfléchir, mais que c'est vrai. Que c'est vrai. Nous pouvons tomber là-dedans très facilement. Et tant de gens sont tombés et ne le savent même pas. Non.